Hélène Gâteau s'intéresse aux animaux et va nous parler de la vache Gascogne. Oui. On va sortir dans la un petit cité peu Gascogne. De la ville, effectivement, et nous allons partir à la campagne rencontrer un éleveur passionné. Il s'appelle Francis Estadieux. Il élève ses vaches à Souesch et il a choisi la race Gascogne, une race autochtone typique de la région. Et alors, pour valoriser cette race, non seulement Francis les élève, mais en plus, il a décidé de les exposer à tel point que certaines d'entre elles, de ses vaches, de son élevage, sont devenues de véritables star. Avec plus de 6500 exploitations, la Haute-Garonne et ses reliefs vallonnés sont une terre d'agriculture. Au pied du massif pyrénéen, la star c'est elle, la Gasconne. Cette vache à la robe blanche est connue pour sa rusticité et son caractère docile. Je vous emmène à la rencontre de Francis, un éleveur passionné qui a fait de la préservation de cette race et du bien-être animal son cheval de bataille. À peine arrivé sur l'exploitation, l'éleveur souhaite nous présenter Essentiel, un taureau de près d'une tonne. Ici vous avez Essentiel, taureau de race gasconne de 4 ans et demi. Ce taureau a déjà fait des concours, il en a déjà gagné quelques-uns. Il est fier quand il revient, bien sûr. Il leur dit à ses copines, les vaches. Et ses copines, elles aussi, sont les dignes représentantes de la race gasconne. Une des plus grandes fiertés de Francis, c'est Valentine. En 2012, elle était la tête d'affiche du Salon de l'agriculture. Et aujourd'hui, il lui apporte un message bien particulier. Hé hey Valentine, on vient d'annoncer une bonne nouvelle. On a appris ce matin qu'il fallait que tu remontes à Paris. Alors on va venir te rentrer. On va falloir aller dedans pour s'occuper de toi. On va te donner un peu de bonbons et puis il va falloir dresser mademoiselle. Qu'est-ce que tu en penses? Tu es d'accord ou pas d'accord? Si Francis est aussi prévenant avec ses vaches, c'est qu'il a fait du bien-être animal son leitmotiv. Car pour lui, la qualité d'un élevage passe par l'attention que l'agriculteur lui porte. Je suis vraiment très, très attaché au bien-être animal. Donc il faut que, pour moi, les animaux soient toujours très bien. C'est pour ça que je suis souvent avec elles. Je les regarde, je les observe. Il faut que je m'aperçoive le plus tôt possible s'il y a la moindre maladie. Et donc, il faut qu'elles soient toujours bien avec moi. Et pour pouvoir les observer, il faut qu'elles se laissent approcher. Il faut qu'elles se... On peut voir beaucoup de choses, mais le bien-être, c'est surtout c'est principal ici dans cette ferme. Allez, vite, viens. À quelques semaines du Salon de l'agriculture, c'est l'heure pour Francis et son fils Mathieu de rentrer les animaux à l'étable. C'est ici, à l'intérieur, qu'ils vont passer l'hiver. Pendant que le cheptel profite du foin frais et du confort intérieur, Valentine, elle, est isolée et se voit offrir un petit bonus à sa ration habituelle. Ah, c'est extraordinaire, hein. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas? Avoir un peu de bonbons. Ce mélange 100% végétal, composé de maïs, de luzerne, de lin, est riche en protéines. Il rend le poil soyeux et brillant, un aspect non négligeable à quelques semaines du Salon de l'agriculture. Un événement incontournable pour tout éleveur. C'est phénoménal de pouvoir monter avec un animal à Paris. Après, bien sûr, si vous faites un prix, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. C'est magnifique, c'est quelque chose qui vous prend dans le corps, ça vous fait une boule juste avant la délibération du jury. Et quand vous voyez que vous arrivez premier, c'est quelque chose de phénoménal, d'extraordinaire. Grâce à Valentine, à Essentiel le taureau et à l'investissement d'éleveurs comme Francis, la vache gasconne séduit de plus en plus. Avec plus de 22 000 têtes en France, elle s'exporte aussi à l'étranger, de l'Amérique du Sud au Japon. Et oui, c'est une vache qui commence à avoir de plus en plus d'adeptes. Et d'ailleurs, autour des Pyrénées, c'est la race à viande qui est la plus représentée. Donc, 22 000 têtes, c'est beaucoup. Au lait-cœur pour la Gasconne. Et c'est vrai que voilà, Valentine va de nouveau remonter à Paris. Elle n'a pas répondu. On ne sait pas si elle est contente d'y retourner. En tout cas, on sera là, nous, pour aller la voir. C'est vrai qu'elle est belle, cette Gasconne. Hein. Ouais. Elle a cette robe de couleur grise. On va voir les images avec les muqueuses, le ton des muqueuses qui est plus foncé, plus noir. Le museau également noir. Le bout des oreilles un peu plus noir un également. Peu comme si elle était
maquillée en fait. Un peu comme si elle était maquillée. Voilà, elle est coquette, la Gasconne, et c'est vrai qu'elle plaît aux esthètes, elle plaît aux amoureux des vaches, avec, tu l'as remarqué, hein, Pierre-Jean, ces magnifiques cornes en forme de lyre. Et c'est vrai que Valentine, notre beau spécimen, elle en a de très belles de cornes. Alors là, vous voyez un petit veau, quand ils naissent, ils sont de cette couleur-là, ils sont de couleur fauve. Et c'est à l'âge de 4-5 mois qu'ils commencent à avoir de plus en plus de poils gris et que les animaux prennent cette fameuse robe de couleur grise. Écoute, merci. Merci Hélène, et on en parlera évidemment au Salon de l'Agriculture où nous serons, hein, de cette vache gasconne. On ira la voir, cette bonne vache.